Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Julie, artiste et enseignante en souplesse et discipline aérienne. Aujourd'hui, je te propose d'éclore grâce à cette routine. Avant de démarrer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Ainsi, tu seras sûr de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et sinon, tu peux dérouler ton tapis. C'est parti. On dit souvent que les choses les plus simples sont les meilleures. Et si on s'inspirait de ça pour notre pratique ? Je te présente la série Enjoy, 31 vidéos de flow pour la souplesse. Chaque jour, découvre une nouvelle routine pour te permettre d'apprécier le mouvement en toute simplicité et authenticité. Offre-toi ces instants pour te reconnecter à ton corps et découvre au fil des séances ce dont tu es réellement capable. Pour ne pas manquer la sortie des vidéos, abonne-toi à cette chaîne. On démarre en position de l'enfant, position de repos, le front sur le sol, le buste relâché sur les jambes et les bras sur les côtés. Profonde respiration par le dos. Cherche à gonfler dans le dos pendant les inspirations et pendant les expirations, on relâche. Puis tu vas venir bouger doucement ta tête en faisant rouler ton front sur le sol. D'un côté, puis de l'autre. Et puis tu vas pouvoir t'immobiliser au centre. Allonger les bras devant. Écarte un petit peu les genoux. Et là, on va basculer un peu de droite à gauche. Un petit mouvement. Et reviens au centre. Inspire, décolle. Expire, relâche. Prends appui sur les avant-bras. Pendant les inspirations, on repousse le sol, on décolle le buste. Et pendant les expires, on refond vers le sol. Et encore, inspire. Remonte, repousse le sol avec les avant-bras. Grandis, grandis, grandis. Expire, relâche. Et inspire, on monte tout le buste. Expire, relâche. On pousse dans les avant-bras, on écarte entre les omoplates pendant les inspirations. Expire, on relâche tout. Là, on va venir prendre appui sur les mains et basculer le poids du bassin vers l'avant. Et on repart en arrière et en avant. Genoux écartés, gros orteils en contact. On fait des petits mouvements pour venir libérer entre les hanches. Et puis on va rester en avant et on va venir juste bouger les bas de jambes pour faire des rotations en fait. Donc rotation d'une jambe puis de l'autre. Et puis on revient fesses en arrière. Mains sous les épaules et on passe à quatre pattes, réajuste un peu la posture si besoin. Inspire, ouvre bras à gauche. Expire, viens glisser sur le côté. Et inspire, on ouvre vers le haut. Expire, glisse entre ton bras et ta jambe. Et encore, on inspire, on ouvre. Expire, ferme. Et inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Et on reste en bas. Allez, on étire ici. Cherche à repousser le sol avec la main droite pour ouvrir dans la cage thoracique. Une jolie torsion dans le dos. Et un bel étirement à l'arrière de l'épaule et du bras gauche. Super. Et on repasse à quatre pattes. Respiration complète ici.
Inspire, ouvre bras droit. Expire, glisse. Et inspire, on ouvre. Expire, on glisse. Et encore, inspire, on ouvre. Expire, on glisse. Inspire, ouvre. Expire, glisse. Et tu peux rester en bas. On respire. Concentre-toi sur ta torsion. Et sur l'étirement qui vient travailler tout le côté du bras. Et de l'épaule. Super. Et tu peux revenir à quatre pattes. Glisser les mains en avant. Et glisser le buste dans la position du chat. Imagine que tes aisselles veulent toucher le sol. Et on respire profondément ici. Et tu peux reglisser en arrière, face sur les talons et on déroule tout doucement. Et on va venir faire des doux rondos creux. Donc on ouvre la poitrine, puis on arrondit le dos. Inspire, ouvre. Expire, arrondi. Dans les inspires, on connecte les omoplates. Et dans les expires, on les écarte. Et petit cercle dans un sens. Et dans l'autre. Tu vas pouvoir venir t'asseoir en tailleur. On va inspirer, ouvrir grand les bras, comme si on tenait un immense ballon. Et on va expirer, refermer, pousser le dos en arrière, arrondir les bras. Inspire, tiens toujours ton énorme ballon. On ouvre au plafond. Et sur une expire, on revient arrondir loin en avant. Et inspire, on ouvre. Parfait, et on peut relâcher. Tu vas pouvoir passer en fente avec la jambe droite devant, main sur le genou. Inspire, arrondis le bas du dos, remonte le bassin, expire, descend. Inspire, on arrondit, expire, on descend. Et encore, engage bien dans le fessier gauche et cherche à arrondir toute la région lombaire, comme si le nombril se collait à la colonne. Et on va rester en bas et reprendre le même mouvement de bras. Inspire, ouvre. Et prochaine expire, reviens avec ton gros ballon devant, arrondis le dos. Et sur une inspire, tu vas venir monter les bras, pousser le bassin dans le sol, creuser dans la cage thoracique. Et on défait, on vient mettre les mains au sol, fesses en arrière, allonge bien sous la jambe de devant. Et tu peux remettre ta jambe derrière et avancer jambe gauche. Même série. Main sur le genou. Inspire, on arrondit le dos. Expire. Pousse le bassin dans le sol. Et encore. Inspire. Expire, pousse le bassin dans le sol. Et inspire, on arrondit, on rétroverse à fond. Expire, bassin dans le sol. Inspire, arrondi, arrondi, arrondi. Expire, bassin dans le sol. Et sur une inspire, on ouvre les bras. Connecte les omoplates au milieu du dos. Et sur une expire, on vient faire un joli dos rond. On a un beau ballon entre nos mains.
Et prochain inspire, monte au plafond, creuse, creuse, creuse. Dans ton haut du dos, poids du bassin vers le sol, bras en couronne. Et repose les mains au sol, fesses en arrière, on allonge sous la jambe gauche. Et tire, étire, étire loin derrière toi. Et puis, on vient à genoux. Avance bassin dans le sol. Un cobra. Donc les mains sont bien sous les épaules. On respire. Allez, cherche à ouvrir dans la poitrine. Connecte les omoplates au milieu du dos. Allonge la colonne et on revient à quatre pattes. On passe dans un petit bonhomme. Petite mobilité des chevilles. Et tends les jambes, avance les mains, chien tête en bas. Allonge les fesses au plafond, allonge le dos et on avance pied droit devant, inspire, monte les bras, expire, remets les mains au sol, pointe les fesses en arrière, on allonge jambe droite et on remet jambe droite derrière, chien tête en bas, respiration complète ici pour récupérer avant d'amener jambe gauche devant, inspire, monte les bras, ouvre ta poitrine. Sens ton cœur qui éclot et expire, remets les mains au sol, fesses en arrière. Deux jambes alignées en chien tête en bas et on vient déposer ses genoux. Prends le temps de respirer quelques instants ici, de savourer les bienfaits de cette pratique. Sens ton cœur qui est ouvert, qui a éclot. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Et on se retrouve très vite.